Hello, bonjour, bonsoir. Moi retourner pour une autre vidéo comme nous déjà ouais depuis ça m'en parlé dans vidéo avant même que moi entre dans vidéo m'a prend un petit temps pour me dire un grand merci avec tout ancien et nouveau abonné mieux ou même qui toujours partager, commenter, like, m'a dit un grand merci et ou même qui passer sous télé magazine qui poko abonné m'a invité s'il vous plaît abonner et pas oublier activer la cloche là à chaque fois que moi poster un nouveau vidéo pour capable voir notification moi yo attend n'a pas entré dans vidéo sans perdre temps comme nous t'ai déjà ouais me parler de Anel Joseph c'est un bandit qui t'a bail en pile problème dans pays a et bien jodi a li arrivé joindre la moli en bas mais la police m'a posté vidéo pour nous capable tendre plus info. Février 2021, c'est un gros mouvement levé campé dans la prison civile Croix de Bouquer. Après diverses rencontres entre plusieurs entités dans le gouvernement, tant que ministère Justice et Sécurité publique, au commandement de la police, le bureau secrétaire d'État communication, avec l'autre, même bilan, gouvernement en mesure de présenter la population avec la presse coulière. Avant l'incident à Yéa, il y a 1542 prisonniers dans la prison de Bouquer. Des comptes qui fait matin vendredi, il fait nous constater qu'il y a 1125 prisonniers qui sont dans ces lieux. Il y a 25 personnes qui mourent, là-dedans, il y a 6 prisonniers et inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable de la prison. Parmi les prisonniers qui tombent, il y a Arnel Joseph qui était attaqué, yon patrouille la police, qui était campé moto, qui était sous l'IA. La police riposte et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques, la police confirmé c'est Arnel Joseph qui tombé jeudi. Il s'est dirigé dans le village de Dieu avant le talmonté Basli, dans sa vient la Tibonite. La police qui était toujours mobilisée, rivait reprendre tout 60 prisonniers qui t'a tenté sauver. Il y a plus passé 200 autres, la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police rivait récupérer tout 2 fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm sans compter divers bonbons de gaz qui étaient gaillés dans la cour prison. N'a précisé parmi les gens qui mouraient, il y a ces 7 citoyens prisonniers qui ont été attaqués sous route pendant qu'ils ont sauvé. La justice a continué de travailler dans le moment où on a parlé là pour identifier toutes les victimes. Après l'incident, dans la prison civile Croix de Bouquer, l'autorité a formé 3 commissions. La première commission, c'est l'inspection générale qui a fait une enquête administrative pour fixer la responsabilité interne. Deuxième commission, c'est la commission direction centrale police judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est-ce qui méritait devant la justice. Troisième commission, son commission direction administration pénitentiaire qui pourra pour enquêter sur cause mouvement ça avec les gens qui impliqué là-dedans. Tout le gouvernement avec la police qui mobilisait, mandé la population à être tête frette, continuer à collaborer avec force l'audio pour arriver à couper tout bandit qui pensait au cas Simédei dans la population. Nous disons tout merci, nous prenons 3 ou 4 questions. Première question. Et vous avez peut-être satisfait pour personne qui mourit. Citoyen qui tombé, malheureusement pour lui, c'est attaqué la police. La police riposte, il tombé. Ni la police, ni le gouvernement a toujours souhaité. C'est la justice qui arrive à juger tout le monde qui est impliqué dans n'importe qui mauvais acte et puis décider sous soi. Si vous laguez, pour vous laguez. Si vous condamnez, pour vous condamnez. Seul ça n'a précisé, la police et tout le gouvernement continuer à faire travailler pour sécuriser la population. Mission 2000. Monsieur le Président, service technique la police. Fabien Mangan avec là, directeur des APA, qui sont qui habitués avec Arnel Joseph. Parce que c'est les responsables qui sont habitués. Les habitués ou elle est en prison, il y a des signes qui montrent à clair que c'est bien Arnel Joseph qui est tombé. Il y a une enquête qui est menée sur sa privée. Détails sont beaucoup disponibles. Mais ça, l'objectif là, c'était de tenter de vider la prison.
Mais vigilance la police permet que ça pas arrive fait, c'est bloc Arnel Joseph là qui te gagné et plus l'opère là dedans. Donc la police est arrivée pour contrôler la situation rapidement. Le juge il a déterminé à qui est-ce qui te gagne lien, à qui est-ce qui pas gagne lien. Donc la police avec la justice a continué travail dans ce sens. Merci en pile pour vos patience. Février 2021, te gagne un gros mouvement levé campé dans la prison civile Croix de Bouquer. Après diverses rencontres entre plusieurs entités dans le gouvernement, tant que le ministère de justice et de sécurité publique, au commandement de la police, le bureau secrétaire d'État communication, avec l'autre, même bilan, gouvernement en mesure de présenter la population avec la presse coulière. Avant l'incident AIEA, il y a 1542 prisonniers dans la prison Croix de Bouquer. Des comptes qui fait matin vendredi après nous constater, il y a 1125 prisonniers qui dans cellule. Il y a 25 monde qui mouri, là-dedans il y a 6 prisonniers avec inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable prison. Parmi prisonniers qui tombé, il y a Arnel Joseph qui était attaqué yon patrouille la police qui était campé moto li était sous lia. La police riposte et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques, la police confirmé c'est Arnel Joseph qui tombé jeudi. Monsieur d'a dirigé gang village de Dieu avant de monter Basli dans sa vie la Tibonite. La police qui était toujours mobilisée rivé reprendre tout 60 prisonniers qui t'a tenté sauver. Il y a plus passé 200 l'autre la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police rivée et récupérer tout 2 fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm sans compter diverses bonbons gaz qui étaient gaillés dans la cour prison. N'a précisé parmi monde qui mourir yo gagné ces 7 citoyens prisonniers ont été attaqués sous route pendant yo t'a sauvé. La justice a continué de travailler dans le moment où on a parlé là pour identifier toutes les victimes. Après l'incident, dans la prison civile Croix de Bouquer, l'autorité a formé 3 commissions. La première commission, c'est l'inspection générale, qui a fait une enquête administrative pour fixer la responsabilité interne. La deuxième commission, c'est la commission direction centrale police judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est-ce qui méritait aller devant la justice. Troisième commission, son commission direction administration pénitentiaire qui prend bien pour enquêter sur cause mouvement ça avec monde qui impliqué là-dedans. Tout le gouvernement avec la police qui mobilisé mandé population rester tête frette, continuer collaborer avec force l'audio pour y ver couper tout bandit qui pensait au cas Simédey. Dans mi-temps, population. Merci, nous prenons 3 ou 4 questions. Première question.